Avertissement, ce programme peut comporter des scènes et langages pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le vieux dans les codes de la route, il va se calmer. Hein? Il est de merde. Pas parce que c'est bon, t'as deux filles puis un gosse qu'on. Enfin un gosse qu'on ne sait pas d'où il vient. D'ailleurs, ton fils il vient d'où là d'ailleurs? Parce que putain de merde. Je sais pas. J'ai oublié. D'accord. Espèce de perinding. Non mais. Vas-y, c'est ici le commissariat. Oui, bah je fais le tour. Oui, bah ton véhicule il a déjà dû te péter, je crois, et il est déjà rayé, bon. Ouais, je fais le tour quand même. Deux vite de péter. Bah pourquoi pas. Eh, si tu veux, regarde. Vite, ils sont pas cassés, ils sont baissés. Voilà. Bon. T'es content? Non, je sais ça. Non, non, c'est bon. C'est le malade. Oh là 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 là. Casser des véhicules, tu connais? Ouais. Bon. Vous deux, faut que je vous parle, venez. Alors, Bellic, t'es viré. Hein, tu fais mal ton boulot, donc t'es viré. Ça, je crois que c'est faux. Bien sûr. Samy, tu vas prendre ta retraite, d'accord? Hein? Ça non plus. Ouais, puis moi, je suis. C'est drôle. Je suis tout. C'est moi le plus vieux, c'est toi qui prends ta retraite avant moi. Eh bah. Ah. Une retraite qui te dit que je vais pas rentrer dans la police à l'ancienne en Allemagne. Je vais refaire payer les véhicules de l'Allemagne, tiens. Ça me paraît une bonne idée, tiens. Le gouvernement, quand ils vont te voir revenir, ils vont être. Oh non. Oh non, pas lui. Pour lui. Attends, qui sait, peut-être qu'un jour Samy va rencontrer quelqu'un de la perle rare dans cette ville, elle va devoir partir en Allemagne aussi, si ça se trouve. Voilà quoi. Ah bah oui. Tiens d'ailleurs. Merde. C'est vrai que j'ai toujours une armoire là-dedans, moi. Lol. Bon, alors, l'arme. Alors, par contre, le seul truc que je vais te redonner, c'est le taser, du coup. Parce que ça, c'est pas allemand. Est-ce que tu peux le jeter par terre? Non. Les jumelles, c'est des Allemandes, je les garde, ça va pas, non? Ouais, Non, le FAMAS. T'as rien vu, c'est du plastique, d'accord. Le FAMAS est dans le véhicule, de toute façon. Bon, Bellic. Enfin. J'étais content de te connaître. J'espère juste que tu feras à long feu, que tu ne mourras pas. D'une belle. Les Serbes sont résistants. On est quand même des humains, n'oublie pas que ton petit cœur il se prend une balle. Oh bah c'est un Texan, ils sont pas faits comme nous. Ouais, c'est des robots, c'est vrai. Serbes, ouais. Texan. Eh ouais. Ah, j'ai des bons souvenirs de vous deux. Bon Samy, c'est des longs souvenirs en Allemagne. Content aussi de te connaître. Ouais. Et puis, puisque le reste de la vie puisse être heureux.
Bah Bien, espère. je le souhaite aussi. Bon, on peut se péter le rôté ou pas? Quoi? On peut péter le rôté ou pas? Bah si vous voulez, de toute façon, de base, je donne rendez-vous au manège si vous voulez à une personne. Rendez-vous au manège, allez hop. Comme ça, on va à ma boîte de nuit Allez. qui est à côté. D'ailleurs, que je vais devoir réexporter en Allemagne, merci l'argent. Après, il va falloir. Ouais. Bordel, il va falloir que aller au motel à l'autre bout du monde. Ah, ça va être plaisant. Faire un bon trajet, Los Santos, Paletope chaque soir. Je vois. Ouais, c'est Moi, je suis clair. plus dans un motel à côté de Sandy Shore, personnellement. Tu vas au motel. Ah bah. Quoi? Tu vas dormir en motel de clochard, Non, non, là? non, Non, non. À côté de Sandy Shore. non. Ah, Je putain parle de pas merde. du truc abandonné. Ouais. Ah bah. Non, bah, cette maison est là-bas, donc. Hop, je lui enlève son chapeau, je sais qu'il aime pas ça. Allez, hop, et hop, je cours. Ah là, t'as fait une erreur grave. Ah là. T'as enlevé le chapeau à Hop, un. Oh putain. et je le laisse par terre. Je suis intouchable. Bon allez, je te laisse Il s'est tranquille. fait voler tout seul. LOL. Tiens, Oh bordel. fais-toi tirer dessus par les corrompus, tu vois. Oh putain. Bon, Bon, par contre, stop. faites gaffe, j'ai ma caméra activée. Faites pas trop les fous. Ah Oui, putain. monsieur. Appelle juste un certain hamster, lol. Tu sais, un hamster à quatre pattes. Enfin, je suis con. Un hamster, ça a forcément quatre pattes. Je suis un petit peu débile. Hamster à deux pattes, tu veux dire. What you need, boss? Il Some reste wheels? quoi? T'as déjà vu un hamster à quatre pattes, deux pattes, toi? C'est I'll extrêmement bring it chelou, by. Aye, I'll get back to work. Bon, bah on y va. On va dire à la fête foraine. Ouais. Bon, bah je vais vous suivre. Comme je peux avec mon scooter. Ah, la bonne BM. On va pas en faire que je fasse attirer les véhicules. Je suis devant toi. Ouais, je sais, je sais. Et pour te dire que là, je vais y aller. Mon avion qui est demain matin à 6h50. Ouais, bah. En fait, Juste avant que tu quittes la ville, on va y aller juste le bison, à l'ancien la bison, boîte. il coûte combien? Parce que moi, de toute façon, je vais aussi aller me. L'ancien quoi? Puisque tout le monde devra pas être obé par le gouvernement, L'ancien lol. véhicule de patrouille. Je Merde, sais pas le bison. exactement. Ah, Je je sais sais pas, pas. tu demanderas à Alexander. Je veux la racheter, moi. Je vais m'en faire un véhicule Ah ouais? personnel. Oh, Fais regarde. gaffe, attention. Oula, bien joué. Alors, Doucement. 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 vous êtes au courant que c'est un grillage? Et regardez, je l'ai réussi à le faire rentrer, lol! Oh putain de merde! Vous y croyez à ça? J'ai réussi à le faire rentrer, ce con! Il marche contre le mur. Ok. Mais pourquoi? Mais tu m'expliques pourquoi t'as pris un scooter, toi? J'arrive pas toujours à pas Bah, il a pas comprendre. d'argent. Moi, ça, c'est que c'est C'est mon parce que véhicule de toi, tu n'as pas patrouille, mais. l'assurance pour les autres véhicules. Ne. Ah, je me disais bien que le portail est resté ouvert, mais non, c'est parce qu'il est corrompu. Non, j'ai pas un véhicule de Ah. patrouille, mais bon, je pense pas que ce soit très Il autorisé. faut qu'on fasse vite avant qu'il referme. Ouais. Ah bah. Samy qui est Renseignement, encore dans la monsieur. radio, faut que tu Oh demandes non. à une certaine personne qui quitte sa propre radio, s'il te plaît. Please. Ouais, passé. Merci. Aïe, ma caresse. D'accord.
Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Pas si ça marche. Oui, ça marche. Allez, on fait un petit convoi de scooters et de voitures, lol! Et que les Allemands, non? Jamais que j'ai croisé tout à l'heure. Qui? Ah, le Mongol du commissariat. On doit la justice. Hein? Je pense qu'il y en a un, va bien s'entendre les Ah! Ça fait longtemps que je l'ai pas conduit. Désolé. Veuillez m'excuser. J'ai fait mourir d'ailleurs. Oui. Désolé d'avoir presque failli vous tuer. Samy, dis donc, tu coches le but? Ça serait con de mourir à 45 balais? Oh, c'est pas grave, ça passe, viens. Moi en plus, pas trop inadéquat, hein, mais bon. Ouais, avec ton chapeau poussiéreux, en plus, plein de sang, en plus, lol. T'inquiète, c'est stylé. Ouais, c'est de la sauce tomate, c'est ça? Ça fait partie du style. Il a mangé des hamburgers. Un accident de crédit. Ah, premier acteur. Ouais. Attends. Je crois que je dois encore une demi-tenue dans ton armoire en plus. Oh putain, c'est vrai que lui met tous les trucs chez moi, lol. Non, l'armoire c'est à droite. Eh mais est-ce qu'on en parle que je deviens riche? Lol. Bon, je suis pas pauvre non plus, mais. Je peux prendre ça. Ouais, pousse-toi le gros. Attention, une Et voilà, la tenue pour aller en boîte. Non, là, bon, je laisse le coffre ouvert. Fuck. Bon, bah, moi je dis. China. Au niveau des bars, hein. Bah ouais. D'accord, je suis radine. C'est pas grave, je t'en veux pas. Et moi je vais attendre que j'ai perdu une porte au sol. Ouais, il y en a plus sur la table que dans les verres, mais bon. Non, mais en fait, c'est des verres magiques, regarde. Ah, putain de merde. Oh, collègues. Deux collègues. Et dis-moi, pourquoi t'as plus ton badge? Samy, tu veux bien savoir dire pourquoi j'ai plus mon badge? Bien, il l'a redonné, hein. Je dis donc que j'ai fait le choix que j'ai choisi. Je laisse deviner la suite. Et c'est quoi le choix que t'as choisi? À ton avis? Non, tu es au pays. Angleterre. Ah non, tu pars en Allemagne. Non mais par contre, tu veux me saouler ou ça se passe comment? Il me remet une dose en plus de ça. Le produit tombe. Hein. Ah, c'est jamais moi en général. C'est le quarantenaire en général. Ah! Eh, hey, Samy, on va peut-être gagner à nous deux, hein. Alors, je tiens à dire que les femmes tiennent moins bien l'alcool que les hommes. Oui, bien sûr, l'excuse. C'est vrai. Je parle de Texan, de la paupière aussi, hein. Ouais. L'alcool pour les nullités. Ah putain, on est des vrais Allemands, nous. Excuse-moi, donc la bière, c'est plus du thé que du whisky. Yes, en même. Ouais, mais on en boit aussi en Allemagne, qu'est-ce que tu crois? Ça, c'est un putain de cliché, ça. Eh, hey, oh, 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 putain, eh. Hey. J'ai cru que le plan de travail, il avait bougé, mais vu qu'il est fixé au sol, je crois que c'est moins qu'un coup dans le nez. Oh, oula, oula, eh, le plan de travail, il arrête pas de bouger, dis donc. Oh là, oula, 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 oula. Ça va encore. Bah, non, elle est pas dans la bouteille. Ouais, ça va, ça va. Tu tiens à peine sur tes pattes. Sur tes pieds, tes jambes, je sais plus. Eh, hey, dis-moi! Eh, hey, le Texan! Tu veux le
Est-ce que tu veux qu'on mélange du sirop de menthe dans du whisky? Moi j'ai un petit sirop de fraise. Je préfère un whisky coca fraise. Waouh, par contre quand t'es bourré, oula, quand t'es bourré t'arrives à tenir la bouteille au bout des doigts. Oh putain de merde. Oula, attends, j'essaie d'attraper mon verre déjà. Oh 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 putain, eh, mais le plan de travail il arrête pas de bouger. Oh, c'est bon. Pourquoi il bouge mon plan de travail? Bah c'est toi qui bouge. Bah non, j'ai l'impression que le plan de travail bouge, pourtant moi je bouge pas énormément. Non, moi c'est le chapeau de machin truc que je vais bouger. Eh, par contre, waouh. Alors, je savais pas que t'étais aussi forte, hein, de tenir une bouteille de bout des doigts. Oh putain, oh. Allez. disons que t'as grossi ou je rêve? J'ai. Je demande pardon. Je sais pas, je crois que. Faites pas la même erreur que moi. Finis pas comme moi. Je crois que vous avez tous pris du cul, au fait, je crois. On va voir qui a pris du cul. Viens dans le parking, ça va se régler. Bah non, mais je suis sûr qu'on est tous dans le même état, je suis sûr que même moi j'ai pris du cul avec l'état qu'on est. Toi t'as pas pris du cul, hein. Attends... Tout est... Ouais. Allez, qui c'est qui tombera, qui atterrira dans les chiottes? Lol. Ok, challenge accepted. Dites-moi, le sol il est mou ou c'est moi? C'est toi. Peut-être prêt à t'aller sur le sol comme ça on aurait gagné. Ah oui, en effet. Ah oui, très beaucoup. On disait qu'il y a une grosse tête, machin truc. Hey, non, j'adore le texan parce que. J'ai la chair à ma gauche. Ma chair à ma gauche qui essaye d'attraper son verre et le texan qui tient une bouteille à deux mains. Ouais, et puis toi, tu tiens au bout des doigts. Et ma bouche. C'est ma bouche. Par contre, c'est une impression où t'as les pieds trop. Qui sont enfoncés dans le sol, lol. Ah oui, ah oui. Ouais. Oh putain de merde. Attends, je cherche ma bouche. Ah, elle est là. Tu veux quoi? C'est bon, j'ai. C'est bon, j'ai. Ah bah, je l'ai pas. Première personne, ça donne mal au cœur. Ouais, je suis radin. Allez. Ah non. Allemagne. Eh, hey, vive l'Allemagne, on a gagné. Ouais. Ouais, mais des peu, je pense, hein. Alexander. J'ai gagné. Fin de l'histoire d'Alexander et Marie. Après cette soirée en boîte de nuit, Alexander et Marie décidaient de partir tous les deux en Allemagne. Alexander retourna à la brigade autoroutière. Marie a refait ses études pour redevenir avocate au pays. 5 ans plus tard, Marie et Alexander se sont mariés. Ont eu une fille, Mia Brandt. Mia a pour projet d'aller habiter et travailler comme avocate à Los Angeles, alias Los Santos. Mia s'apprêtera à voir son parrain, Sammy Garçon, déjà vu quand elle était petite. Vous voyez, ils ont une belle vie, Marie et Alexander,